Bonjour à tous. Les marchés n'ont pas de tendance affirmée. Les indices asiatiques clôturaient tous en nette hausse ce matin. Les entreprises automobiles et aéronautiques soutiennent à nouveau les marchés grâce à la baisse importante du pétrole. En Europe, par contre, les marchés réagissent à l'inverse et plutôt donc négativement. Ils sont en effet plus préoccupés par la santé du marché financier. La bourse de Londres est, elle, fermée aujourd'hui. Alors chez nous, précisément, le BEL 20 perd 0,4%. Les bancaires Fortis et KBC perdent un peu plus de 1,8%. Et le titre du CB, par contre, est reparti à la hausse. L'action gagne 3%. Le titre reprend en fait un petit peu des couleurs après une chute importante la semaine passée suite à une double dégradation de recommandations d'analystes. Enfin, précisons enfin qu'une statistique sur le secteur immobilier américain tombera cet après-midi. Elle pourra faire réagir les marchés. Les chiffres de revente de logements pour le mois de juillet sont attendus à 16h. Merci de votre écoute.